de souvenirs agréables à ma mémoire d'une période pourtant compliquée dans ma life, Kayaman. Les années. Cole, tu me suis. Où que tu sois dans le monde et quelle que soit ta galère, le message dit vise toujours le sommet et persévère. C'est pour la terre mère qu'on est là. Il faut que tu le saches, une acquisition qui te demande des efforts. Oh là, ne gâche pas ton intégrité en MST, en carreau, en tissu, en perversion de l'esprit. Tanda. Oui. Est-ce que tu as vu? Quoi? Le tableau. Le stratège de la sensibilisation sur le VIH a encore frappé. Pas mal, non? Si tu veux parler d'une stratégie d'exclusion, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quoi qu'il en soit, tu vois, ceux qui sont derrière ça ont une idée bien précise derrière la tête. Bonjour, asseyez-vous. Écoutez, je ne veux pas savoir qui est derrière cette poésie minable, mais sachez que je ne suis pas d'humeur à tolérer ce genre de comportement. Vous, monsieur le chef de classe, comment expliquez-vous ceci? Vous avez raison, madame. J'allais justement faire nettoyer le tableau. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a un groupe de travail qui se retrouve ici certains après-midi. C'est peut-être un de leurs termes de réflexion. Peut-être, mais je vais tout de même vous donner un conseil. Ne jouez jamais avec les thèmes traitant de l'exclusion, d'accord? Tous les apprentis sorciers qui s'y sont essayés n'ont jamais réussi qu'à détruire leur environnement. Ah, mademoiselle Nzinga et Binda, entrez donc. Contente de vous revoir en forme. Regagnez votre place. Merci, mademoiselle Osima. On se dépêche, allez, un peu de mer, là, allez, rapide. Ceux qui n'ont pas terminé leur tour, continue, les autres ici. Ça me met un foulard sur la tête. N'est-ce pas? Je parie ma tête de mort. Je parie ma tête comme le compte. Ça se lève, elle a la tête. Elle est sur le côté. Elle a coupé les cheveux, même pas elle. Que c'est ça? Parce que quelqu'un peut aussi changer. Que c'est pas normal, toi aussi, on regarde. Elle a maigri. Je trouve que c'est bizarre. Mais là, les choses qu'elle fait. Malade. On est comme ça. Ça se le fait. Je vois même. Ça ne va pas chez elle. Elle est malade, la fille. Il faut les vider. Moi, je te dis, il faut les vider. Ah, pardon, j'ai les gens bizarres. Allons. Par ici, tout le monde par ici. Occupez l'espace, on se lève là. Qu'est-ce que tu complotes avec ces deux-là? Oh, tu sais, rien ne vaut une bonne partie de Congo, ça. Et quand on a deux bonnes pipelettes comme ces deux-là, le talk show est assuré. Viens, je vais te faire travailler. Désolée, mais j'ai déjà un partenaire. Allez. Au fond, là-bas, on travaille, on fait descendre les jambes. On fait descendre les jambes. Allez. Tiens, récupère ta boutesse. Je vais en profiter pour me peloter la victoire avec.
mon pote. T'as jamais entendu parler de beauté fatale? Moi, je dis aller avec un préservatif. Avec un certain virus qui est de plus en plus à la mode, mmh. On ne sait jamais. C'est vrai. Continuons. Non, non. Alors, mademoiselle Zinga, on paraisse ou quoi? Voulez-vous refroidir? Trouvez-vous un partenaire et travaillez. Mais c'est ce que je fais, monsieur. J'attends ceux de l'autre groupe. Ah tiens, Marc! Allez, 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 on travaille, on travaille, on travaille, on travaille! On se lève, on se lève, on s'assouplit, là! On refroidit pas, là! Allez, les abdominaux, un peu de nerf! Tu es vraiment sûr? En tout cas, je dis bien qu'il y a très peu de chances que je me trompe. Bon, t'es fatiguée? Ah, oui. C'est ton tour maintenant. Ok. Ah, je prends le relais. Oh. Oh, t'as fait ça. Quoi? On ne peut plus changer de tête? Écoutez les gars, ce n'est pas parce qu'elle a coupé ses cheveux qu'elle est forcément séropositive. Et la trithérapie, mon pote? C'est peut-être pour soigner la diarrhée vomissement, n'est-ce pas? C'est quand même sa copine Cynthia qui en parle. Les gars, c'est clair. Cette Camille n'est plus ma atteinte. Faut vraiment plus se fier au bel gueule des nanas. D'accord, mettez deux nanas au stade là, c'est pas prudent. Si cette fois encore remonte jusqu'à nous. Il n'y a pas que toi pour avoir un cerveau ici. Ah bon? Eh oui, je sais au moins ce que je fais moi. De toutes les façons, au moment où on parle, on peut être sûr que toute la classe est déjà au courant. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'elles ont attendu votre signal pour faire leur congossa? Mais tu parles de quoi même? Mais de ce dont vous parlez, mec. Vos deux nanas étaient ici tout à l'heure. Elles ne parlaient que d'elles. C'est à l'heure, chef. C'est pas ta classe, mais tout le lycée qui est déjà au courant, hein? Ah, excusez-moi, les mecs. Ça va bien? 2000. D'accord. Écoute Victor, le mal est déjà fait. Et ça sent même le coup monté. Je fais une dépression nerveuse. C'est vrai. J'ai coupé mes cheveux et j'ai changé d'apparence. D'accord. Mais en quoi cela fait de moi une malade du sida? Dites-le-moi. Vic. Vicky. Écoute. Calme-toi, ce n'est qu'une rumeur. Tu me demandes de me calmer? Surtout ne te mets pas dans cet état. Tu fais leur jeu. Peut-être même que c'est ce qu'ils recherchent. Vous avez raison.
Pourquoi moi? Non, s'il te plaît, j'ai besoin de... Salut. Salut. Ok, je suis là. Qu'est-ce que tu avais à me dire? Enfin, après ce qui s'est passé, je me disais que... qu'on devait quand même se parler. Je ne suis pas contre. On parle de quoi? Ah, tiens. Tu as commencé à t'exercer avec le préservatif que je t'ai laissé? Justement, je voulais que tu saches que... maintenant, je suis prêt à en utiliser si tu me demandes. En tout cas, avec moi, c'est ça ou rien. Ok? J'ai compris, bébé. Faisons la paix et... accorde-moi une deuxième chance. On verra ça plus tard. Si tu as grandi, je te dis pas non. Moi, je vous le dis, je préfère ne rien savoir. Comme ça, quand ça se déclenchera, tant pis. Tu es des trucs de macho, là. Tu vas tout droit au suicide. Qu'est-ce que ça te coûte de faire un test de dépistage de temps en temps? Tout ça parce que monsieur a une peur bleue des aiguilles. Avoue-le, poltron. Alors là, mon pote, elle t'a bien eu. Hein? Moi, un vrai séquencier à l'ancienne, avoir peur d'une vulgaire seringue, franchement. Je dis qu'il vaut mieux savoir. Regardez la peau Victor. Qui aurait pu l'imaginer? Oh, je trouve que vous y allez un peu fort. D'où Jérémy tient-il cette information? Tu as tout à fait raison, Moulin. Il faudra peut-être aller le lui demander gentiment. C'est une bonne idée, Marc. Mais de quel droit devons-nous le faire? Tu dis de quel droit? Mais du droit d'assistance à une camarade en danger de déprime? N'est-ce pas, les filles? Non. Non. Mais on n'a rien à voir avec cette histoire. Pourquoi vous vous en prenez à nous? Alors que vous connaissez déjà celui qui a inventé cette histoire. Excuse-moi de te déranger, ma chérie. Mais s'enfermer n'est pas une bonne solution. Fermer ton portable et l'abandonner au salon n'est pas non plus une bonne idée. Tous tes amis sont très inquiets. Ils n'arrêtent pas d'appeler sur le fixe. J'ai besoin de voir clair. Je ne comprends rien à tout ce qui m'arrive, maman. J'attends ton père. Nous allons faire le point sur cette affaire. À mon avis, une visite au proviseur s'impose. Non, maman. Surtout pas. Mais pourquoi? Cela nous permettra de tirer cette histoire au clair. Bien au contraire, vous allez tout compliquer. Et puis, c'est à moi de régler cette histoire. Que vont penser les autres si au moins de petits problèmes, je viens me cacher derrière mes parents? Commence par l'ouvrir. Tes amis vont rappeler. Je suis fière de toi, ma chérie. Merci, maman. Je t'aime. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien. Avant de démarrer les cours, l'administration voudrait qu'on fasse le point sur une rumeur concernant Mademoiselle Zinga que certains d'entre vous voudraient faire passer pour une CDN.
Mademoiselle Zinga. Merci, monsieur. Vous avez dit que le Congossa de vos nanas là allait nous emmener des problèmes. Tu crois vraiment que... Elles vous ont vendu? Ça saute aux yeux. On est dans la merde. Vous avez sous vos yeux le résultat d'analyse que votre camarade Victor Zinga vient de faire. À la section examen immunologique, vous pouvez lire sérologie VIH 1 et 2, négative. En voici l'original. Ce qui veut dire que mademoiselle Zinga n'a pas le sida et qu'elle est en bonne santé. Et j'ajoute, ce sont là des examens que vous devez faire tous les 6 mois. Mademoiselle Zinga, mes félicitations pour votre courage. Vous pouvez regagner votre place. Vous êtes mal barré, les filles. Il vaut mieux vous dénoncer maintenant. Mais nous, on n'a rien fait. C'est Jérémy qui a raconté le truc. C'est lui qui a dû de se dénoncer. Puis vous avez fait le Congo ça. Vous avez oublié. Messieurs et dames, l'heure de la vérité a sonné. Que les coupables viennent soulager leur conscience. Monsieur Raïta souhaite sans doute passer à des choses plus sérieuses. En tout cas, j'aimerais bien voir comment ils vont s'en sortir cette fois. Je vois que monsieur le chef de classe a quelque chose à dire. Ah tiens donc, monsieur Polycarp Mbatchi, mais qu'avez-vous à dire? Je n'ai absolument rien à voir avec cette rumeur, monsieur. Et je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à notre camarade Victor. Je voulais vous dire que j'ai mené une petite enquête et j'ai pu identifier l'origine de cette rumeur. Ha! Enfin, vous vous décidez! C'est à vous, monsieur Raïta. Écoutez, vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable, monsieur. Non coupable, monsieur. Non coupable, monsieur. Pendant le cours des PS, Jérémy nous a dit qu'il fallait éviter tout contact avec Victor parce qu'elle est sous... Oui, il nous a parlé de trithérapie. Et que lorsque quelqu'un est sous trithérapie, c'est qu'il a le sida. Si. Monsieur Moketou, ces filles disent-elles la vérité? Répondez par oui ou par non. Oui, monsieur. Vous êtes donc à l'origine de cette rumeur? Ah non, monsieur. Ce n'est pas moi qui ai répondu cette rumeur dans tout le lycée. Silence, s'il vous plaît. Vous êtes quand même à l'origine de cette rumeur. Vu comme ça, je ne suis pas le seul fautif dans cette affaire, monsieur. C'est-à-dire? Eh bien... Parce qu'il y a non seulement ces deux-là, mais aussi celle-là et l'autre là-bas, celui-là. Dis donc, ça va pas la tête là. Ma parole, on devrait être interné. Espèce de taré. En tout cas, il sait s'y prendre pour semer la zizanie dans les esprits. Il y a cet enfoiré de Brice là-dessous.
Je le sens. Futé. Il est très futé, le mec. Je ne l'avais pas prévu, celle-là. Bonjour madame. Oh. Bonjour jeune homme. Asseyez-vous. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. Sans façon, j'ai affaire. Et je préfère vous laisser démêler vos embrouilles à minuit. Vous par contre, vous avez l'air de beaucoup rigoler. Hein? Tu vois bien l'effet que ça fait à quelqu'un de normal. Il faut être franchement culotté pour impliquer des gens. Comme ça, juste pour créer une diversion. Et le comble, c'est qu'ils étaient si sincères qu'on a envie de les croire. Il faut simplement reconnaître qu'ils sont d'une intelligence diabolique. Ah ça, pour être diabolique, ils le sont depuis toujours. Ils sont plutôt brillants. Surtout Brice. C'est lui le cerveau. Un peu plus. C'était eux les bons et nous les méchants. Salut les amis. Excusez-moi de m'inviter. C'est que tant que la crise n'est pas terminée, on ne peut pas se passer de Kofi Annan. Et me voilà. Hé, on connaissait la blague du médecin après la mort, mais alors le médiateur après la crise. Tu fais fort mon gars. Justement mec, la sortie d'une crise, c'est toujours un accord de paix. Mais pour qu'il y ait accord de paix, il faut que les coupables s'amendent. Mais tu charries, mec. Tout le monde ici a vu qu'aux yeux de l'administration, toute la classe est fautive, y compris Victor elle-même. Tu as raison, mec. Bien. On veut nous faire croire que quand il y a une rumeur, tout le monde est responsable. Mais ça, c'est la version officielle. Là où moi j'interviens en tant que médiateur, c'est que je vous livre. Qui a dit quoi? Boula, arrête de tourner autour du pot et dis-nous qui a déclenché cette affaire de Kongosa. Bien. On va faire mieux. Comme ces deux personnes ont tenu elles-mêmes à venir jusqu'ici, disons qu'elles souhaitent une certaine confidentialité. Et pas d'acte belliqueux, ok? Rassure-toi, Boula, ces deux personnes n'ont rien à craindre de nous. N'est-ce pas, Cynthia? Promis, juré. D'ailleurs, je me tire. On s'en va, les gars. Ok. Salut les filles. Allez, soyez pas timides. Venez. Mais asseyez-vous donc. Je vous écoute. Hein? Écoute Victor. On voulait te dire que nous sommes vraiment désolés. Qu'on ne voulait pas te faire du mal. On n'est pas du tout méchantes, nous. Rassurez-vous, les filles, je ne vous en veux pas du tout. Après tout, ce n'est qu'une petite affaire de Kongosa, n'est-ce pas? Oh, hey, hey, phenomenal wine, lyrical wine, message de paix aux adultes et aux bains, message d'amour envers Akibulana. Elle est la terre mère, boy, elle est ma madone. Vendu pour moi, c'est une bonne humeur. Je bosse pour nos ados. Éradique les modèles, les nations dans les cerveaux. Gamicité, en toute simplicité. Félicité, mon africanité. Je viens symboliser pour toutes les cités. D'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe, plus de cité niveau. La bouille est jouée. La bouille est jouée. La bouille est jouée. Quand on va ou quoi? Les années comme ma. Les années comme. C'est pour la terre mère qu'on est là. Boulois noir, hey. Oh Lord, la merci. Demande un maximum de respect pour cette jeunesse qui souffre de gagner son pain à la sueur
pas de son fort accès à la facilité. Ils veulent ça. Le savoir est une arme. Il faut que tu le saches. Nous amis pour moi. Ne gâche pas ton intégrité en MSC, en carreau, en cliché, en perversion de l'esprit. Vouloir nous.